Un bruit de tronçonneuse résonne dans ce champ de sapins et on aperçoit quelques têtes au milieu de tous ces arbres. Pour trouver les sapins parfaits, certains ont choisi d'aller couper eux-mêmes leurs sapins. Dans cette sapinière de Schwangerbach, c'est possible. Ce sont surtout des habitués qui viennent, une dizaine par saison. Déjà, il faut se prendre le temps pour aller dans les sapinières, puisqu'il faut être équipé avec la pluie, avec la rosée du matin. Donc, ce ne sont que les gens qui aiment bien la nature et qui veulent choisir vraiment le sapin parfait pour eux, qui viennent dans les plantations. Et ils viennent relativement tôt. Hein. Le propriétaire vous donnera directement rendez-vous dans le champ et vous pourrez ensuite faire votre choix. Il n'y a pas de différence de prix que vous choisissiez et coupiez le sapin dans le champ ou que vous lâchiez à la sapinière. Le prix varie de 10 à 40 euros en fonction de la hauteur. C'est devenu une tradition pour cette famille qui, depuis environ 5 ans, vient faire son choix dans cette sapinière. Cette année, ils sont venus pour couper 6 sapins pour toute leur famille. C'est plus traditionnel. Ouais, le choix est déjà plus grand dans la sapinière, il y a plus de choix. Et puis, le fait de le couper, déjà, on sait qu'il est fraîchement coupé. Et puis c'est vraiment dans une ambiance de Noël, d'aller dans la sapinière. C'est un peu d'aller film chez de Noël. Bah, c'est pour passer un Noël en famille. Un moment en famille ? Oui, un moment en famille et pour qu'on s'amuse bien. Il ne vous reste plus qu'à charger votre sapin pour ensuite le décorer.